Hey, bonsoir tout le monde, c'est Picty, bienvenue pour ce quatrième épisode sur Dark Souls 2 en compagnie d'Alphonse Robichou qui est là. Dis bonjour, salut. Salut, c'est moi, allez c'est parti. Et dans le dernier épisode, on a battu le premier boss en first try et on galère là un peu sur le deuxième boss puisque au bout de 1000 life, il nous fait un pattern de fils de pute où il m'a one shot avec plein de bouboules noires. J'étais full life, enfin full life. Maudit mais un peu full life quoi. Enfin j'étais full life en étant maudit donc j'ai pas beaucoup de points de vie maximum, mais il a quand même réussi à one shot ce fils de pute de gredin. Et du coup, réfléchissons. Est-ce qu'il faut que je l'attaque pendant ce truc là pour essayer de le cancel? Sinon un autre truc que j'ai pensé, peut-être que je peux lui faire des parades. Un truc que je fais jamais parce que je suis un peu nul à ce truc là. On verra bien, on va essayer des trucs. On va retenter un try là. C'est dommage parce que le try du dernier épisode, le dernier try était pas mal avant qu'il me one shot avec ses boules de merde. Alors là, la torture peut totalement la mindfuck si je peux réussir à faire ce que j'ai fait la dernière fois. Non. Ah bah non, je peux pas vu que j'ai pété les tonneaux en faisant une roulade arrière. On va passer comme ça. Il me reste plus qu'un limon. Ah, peut-être pas l'utiliser. Peut-être pas l'utiliser. Ça, peut-être je pourrais l'utiliser, je sais pas. Salut. Allez, on s'en bat les couilles de... On a de la chance, ils nous ont pas follow. Et nos âmes sont là. A chaque fois il me fait des dégâts sur ce pattern, je comprends pas. Je comprends pas. Ok, j'ai gogolisé. Ok. Lol, en fait faut rien faire. Et on dodge tout seul. What the fuck? Oula, j'ai failli tomber dans le vide, non? Il a pété la baliste. Il est épuisé, il est épuisé. Grand. D'où tu me touches ici, quoi, putain, j'étais sur un bon try, fuck. Par contre, là, je suis en train de me dire un truc, il avait pas la petite fumée noire. Et je crois qu'il l'avait eu parce que il m'avait maudit avec son épée. Et du coup, je pense que c'est la malédiction qu'il a relâchée sur moi. Et du coup, si on se fait pas toucher par sa chope, il n'y a peut-être pas lieu d'avoir le pattern qu'il m'avait fait. Donc, ça peut être plus facile que ce que je pense, en fait. Ouais. C'était un bon try. Le truc, c'est que je perds de plus en plus de vie à chaque fois que je le tente. Et que je me gourre de plus en plus de chemin à chaque fois. À chaque fois, je passe par les... je veux passer par l'échelle. Il n'y a pas moyen que je... que je passe pas par l'échelle, c'est un truc de fou. Là en vrai il pourrait peut-être me one shot là, hein, vu la barre de merde que j'ai. Ah ouais vas-y. Lol. MDR. C'était gratuit, c'était des free ham. Des free ham. Des free
Bon allez, prions, prions, prions. T'es sérieux là, le mob? Alors ouais, là non, je commence très très mal. J'ai fait ma roulade trop tôt. My bad. Bon, au moins j'ai récupéré mes zones. Par contre, la boîte est un peu galère à récupérer. Je peux aller une autre zone. Je peux aller une autre zone, mais ça risque d'être compliqué aussi. Ouais, j'ai tellement pas de vie. J'ai tellement pas de vie. On va retenter. Avec un peu plus de vie. Allez, cette fois c'est le try. Bah, de toute façon, ça sert plus à rien. Je vais reprendre ma masse comme ça pour faire plus de dégâts. L'échelle, encore une fois. La fameuse. Nique ta mère, quoi. Niquez bien vos mères. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ils ont tellement des patterns totalement random. C'est ouf comment dans DS2 les mobs sont insane dès le début quoi. Ces mobs là ils sont vraiment horribles. Ils ont une putain de... C'est pas les patterns en soi, c'est le fait qu'ils peuvent être super lents comme super vifs. Kappa. Ça va pas m'en mettre full life? Non. Fuck. Bon, est-ce que je me fais les deux bolos et je me prépare en mode tranquille? Je pense qu'on va essayer de se les faire. Ok. Ok, moins 1. Ok, ça c'est cool déjà. On va pouvoir se heal un petit peu de ce qui nous reste avec la cloche. Je sais pas si ça vaut le coup que je mette un bouclier en vrai contre ce boss. Je sais pas. Ouais, on va faire un try comme ça. Allez, on est full life. Juste pas gogoliser là. Je fais attention à ce que je fais. Je fais des roulades là où il faut, quand il faut. Allez, c'est le try. Je me suis balancé une humanité. Faut pas que je fasse de la merde. Ça commence bien. Je l'ai mal timé comme tout à l'heure. Là j'aurais dû me prendre le hit hein. Qu'est-ce que j'aime pas quand il fait ça. Bon attends, on va pas être trop gourmand. Voilà. Ok. On met toujours un petit hit comme ça. Peut-être trop gourmand, mais ça va, il est pas rancunier. Hmm.
Y a pas beaucoup d'ouverture pour lui mettre des coups hein, en vrai. Hein. C'est un peu ça qui est chaud avec ce boss. C'est que. On a un peu mettre quoi? Mettre un hit à la rigueur. Ah mais genre tu me touches là, ça me... Je comprends pas ce pattern. Celui-là non plus d'ailleurs. Ouais bon bah rip. What the fuck. Ouais, je pensais pas du tout qu'il allait me tuer comme ça. Ouais et puis là il a l'aura noire, du coup c'est l'attaque qu'il peut me faire après, ok. Là ça me fait chier parce qu'il m'a maudit et du coup je perds encore plus de points de vie en étant mort là. Ah, ma barre de vie est ridicule. Ça va, mais... Ah, fait chier. L'échelle. Ah, sauf que je galère encore sur ce boss. De ouf, quoi. Après, je pense que c'est surtout la classe qui veut ça. Un peu de la merde... C'est vraiment de la merde tout début contre ce genre de boss, je pense. Fait que t'es pas d'endurance. Un peu casse-couille. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouf. Allez. Ça va, tu t'es bien mis là ou quoi? Il y a moyen que j'utilise les balistes ou quoi? Oh, j'aurais peut-être pu là. J'essaie de le pull devant et tester un coup de baliste. Jamais de test, mais bon. Ah, ça aurait été parfait là. Peut-être moyen. Lol. Y'a peut-être pas moyen. J'ai jamais vu ce pattern. J'ai tellement jamais vu ce pattern qu'il vient de me faire là. L'attaque plongée là. Tendu ça. Merde, il a pété la deuxième baliste. Ouais, bon, bah, du coup, hein. Mais j'ai fait une roulade là! Oh, nique ta mère. J'aime pas le jeu quand il. Je fais une roulade encore, mais ça marche pas. Je sais pas. Je trouve dans DS2, la manette est pas du tout réactive comme dans DS1. Après, on va me dire, ouais, c'est une excuse de sac, mais là, non. Deux fois d'affilée, j'appuie sur la touche et ça fait pas la roulade. Je sais pas. C'est un peu des trucs qui me gaffent, ça. Échelle. Ouais, je fais encore un 2 try, parce que... après, j'aurai une barre trop... nulle pour essayer de pouvoir contester. Ce boss de merde. Putain, c'est chiant, le petit robot, on peut pas passer comme ça. Cours. Hop, la gemme de vie. Hop, on entre. Par contre, je... Hop, on soigne. Je vais me mettre à deux mains. Le bouclier me sert à rien. J'utilise jamais, de toute façon. Je suis pas un mec qui joue au bouclier trop.
Bien sûr. Hein? Bah bien sûr quoi. Hitbox. Juste hitbox quoi. Putain, j'ai perdu mes âmes. Ouais. Je pense qu'on va aller ailleurs. Ou alors en pex. Je sais pas. Je pense pas aller galérer autant contre lui quoi. Pourtant, je fais des beaux tries. Fuck quoi. Fuck, fuck, fuck. Ouais, on se barre. Ça sert à rien d'insister. Voilà, Marcoula, on va essayer. Je crois que je peux aller dans une autre zone. Ça sert à rien d'insister quand ça veut pas. Prendre un peu plus de level, de vita, je sais pas. Vita en dû, je pense. Normalement, il y a une zone assez accessible dès le début, là, il me semble. Le dispositif ne bouge pas. C'est normal, ce sera encore pour plus tard. Allez Alphonse, te laisse pas faire, te laisse pas battre mon gros. Ah, cool. Je sais même pas qu'il y a un coffre là. On s'en est plus. Par moi, le Parwakramrazi qui est là. Qui est nul. Nul. Du coup, je crois que ouais, c'est ça. Soulever la herse. Une âme de mort vivant perdue et une épée brisée du voleur. Ça sert à quelque chose d'aller là? Ouais, pour réactiver quel mécanisme. Tour des flammes de Hyde, allez. Elle est tellement belle cette zone. Tellement classe. Regardez-moi ces statues de pigeons, quoi. Oh, un pigeon. Mon dieu, mais c'est magnifique cette cité de Hyde. Engloutie par les flots. Il y a que des gros mobs comme ça, par contre. Alors, va bien falloir cerner leur pattern. Cerner leur pattern. D'accord, donc le troisième hit là, il manque une. Ouais, c'est un coup circulaire. Ah, ça va, je pensais qu'il faisait plus mal que ça. Il doit avoir un feu quelque part normalement, non? J'ai loupé le feu? Ou c'est après? Ah! J'ai failli louper le feu. J'ai failli louper le feu. Voilà. Vu qu'il n'y a pas masse mob ici, il n'y a que des gros géants. Et souvent ils sont pas ensemble, pas au début je crois. Bah, je vais pouvoir tranquillement. Waouh. Ah d'accord. Il me faut un peu peur quand même. Genre ça je suis peut-être mort hein, si je me le prenais dans la gueule. Ok. Donc combien 400 d'âmes. Oh c'est quand même pas mal hein. 400 pour un mob. Oh il a looté un truc. Poussière d'os sublime. The fuck is this? Quoi? Sérieux? Mais c'est trop bien ce truc là. Genre ça se loot sur un mob. Je croyais que c'était des items à trouver comme ça. What the heck?
qu'on va le brûler, hein. Pourquoi? Moi, je veux pas un coup... Dans ce... Ah oui, il y a que le feu dans Maroula qu'on peut changer. Ah, ils font chier. Ce feu n'est pas assez puissant. Ce feu est trop proche de l'eau. Du coup, ça pourrait éteindre... Donc voilà, tu peux pas. Normalement, là, j'ai la fiole en plus, hein. Oh, l'air. Mais du coup, c'était un... Le drop du mob, c'était fixe, j'imagine, parce que ces trucs-là, normalement, c'est super rare. Il n'y en a pas l'infini, quoi. C'est pas un drop commun d'un mob. Ça me semblerait bizarre. Voilà, j'ai la fiole d'Estus en plus, hein. Du coup, elle va me régénérer plus de points de santé. Putain, j'ai oublié de faire une roulade. Je suis un teubé. Ah, le mob est même plus là en fait. D'accord, donc c'était un mob qui était juste là pour donner l'item. Ok. Ça me semblait bizarre aussi qu'il drop ça comme ça. Du coup, il est plus là. Hello. Shield up. Pourquoi il y a un trou derrière? Putain, je fais des roulades et ça marche pas, ça me saoule. C'est ouf, comment ça marche pas mes roulades. Eh merde. Oh. Salut. Qu'est-ce que j'active? Ok, donc j'ai élargi la plateforme. Talisman de l'iode. Ah ouais, alors là, ça risque d'être compliqué. Il y a l'air d'avoir du mob. Putain, qu'est-ce que c'est beau par contre. Tellement beau. 3. Ouais. Je vais peut-être pas les gaspiller pour ça. De toute façon, je vais repasser là, c'est sûr. Donc... Ah zut. Apparemment les deux ils veulent pas m'affronter. Merde. Aïe, j'ai mal. Oh, peut-être que je peux le faire tomber dans le vide. Vas-y, viens. Putain! Ouah, j'aurais tellement dû mourir là. La chatte. Ça va, s'il y a que des coups latéraux, ça devrait le faire. Ah, ça y est, les deux maintenant, ils arrivent. Putain, t'as tué notre frère! Ouais, ça vous dit des joints d'étanchéité, les mecs? Je crois que vous en avez besoin dans cette zone. Lol. Il n'y en a plus qu'un. Il y en a un qui a cogolisé. Nice. Allez, t'es tout seul, mon gars. Ils sont où tes potes? Ils sont morts. Allez. À ramasser objet. Orbe d'œil bleu fissuré. Nice! Toi, par contre, ça fait du farm, ça. Hein. Ça farm pas mal les amis, ici, quand même. Ah, du coup, on rajoute encore une plateforme. Plateforme où, bien sûr, si vous vous doutez bien qu'il y a un boss. Hein. C'est une zone très belle. Peu de mobs, mais... Mais ouais, elle est tellement magnifique, cette zone. Putain, quoi, la première fois que je suis allé ici, je fais... Putain, c'est ouf.
Hello! Bien sûr. Putain, il y a un coffre à récupérer, il me le faut. Lol, pourquoi il a perdu autant de points de vie? Ça, c'est pour le PVP, donc on va pas s'en servir. Merde, c'est peut-être un mimique. Oh putain. J'ai eu peur. Trois fleurs vertes, ok. Ouais. Du coup, là, c'est un boss. Hein. Est-ce qu'on le tente comme ça? Ah, mais j'ai 3600 âmes. Ah putain, je sais pas. J'ai tellement envie d'y aller. Non, on va jouer safe. J'ai pas envie de perdre mes âmes. J'ai pas envie. Je vais faire mon no balls, mais. Ouais, j'ai pas assez de d'astuces. Ok, là il y a deux loupards. On va essayer de se faire un petit peu plus d'âmes avant de rentrer à Marfoula. Si on peut se faire ce type là, ça serait pas mal. Putain! Je fais des roulades, ça marche pas dans ce jeu, c'est ouf! Je crois que c'est peut-être pour ça que je jouais clavier-souris. C'était plus réactif, j'ai l'impression. Dans le 1, pourtant, c'est assez réactif le jeu. Alors, peut-être parce que je stream. Enfin, je record, il y a un délai, je sais pas. Ça m'a l'air assez. Merdique, là, de les affronter. Ou alors c'est le fait que j'ai pas beaucoup d'endurance, que mes roulades ne veulent pas partir rapidement. Eh, ils me suivent jusqu'au bout de la vie. Hein. Y a pas problème. D'accord. Sinon la zone d'aggro elle est pas trop immense quoi, non ça va, pas de problème. Pas de problème apparemment. On me dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas de problème sur le niveau de l'aggro de ces mobs. Salut! Ah, apparemment, ils peuvent plus aller. Ah, d'accord, c'est là. Parce qu'il y a le feu, du coup, ils veulent plus venir. Allez là! Bon, les 4000 âmes, peut-être pouvoir passer deux niveaux avec ça. Faudrait que je mette en quoi? Endu. Le truc, c'est que si je mets trop d'endu, ça peut-être être beaucoup trop en fait. Si j'en mets trop, ça va être trop, oui. Oui. Je sais pas trop, on verra bien. Ah, j'aurais passé pour en mettre deux. Vita. Endu 6, ça me paraît vraiment peu quoi. J'aurais besoin de ça plus tard. La force est bon. Faudrait que je sois au minimum à 100 de constitution, je pense. Ça augmente un petit peu mes PV. On va mettre des PV, puis on va remettre de l'endu après. On va claquer une petite âme comme ça. Petite âme! Fuck. YOLO! Alors. Hop. Et on va essayer d'affronter le boss. Et si on n'y arrive pas, et bien on va farmer cette zone. Et je suis toujours pas mis de chrono, c'est un truc de fou. Le mec qui s'en bat les couilles du chrono. Pourquoi il se prend? Ah oui, c'est mon anneau. C'est pour ça qu'ils prennent cher. En fait, il est trop bien ce anneau. Cet anneau d'épine. Ah, j'ai oublié de prendre un item là où je suis. J'y suis pas allé.
Ah, je suis pas allé. Par contre, question, pourquoi jouer qu'un bouclier alors que ça me sert à rien, en vrai? Je ferais mieux de jouer à deux mains la masse. Voilà. Allez, mais un dernier coup, putain de con! Ah! Y a ses frères qui m'en veulent! Mais cours! Putain! Et j'ai laissé la touche 3 pendant 3 secondes enfoncée, le mec il se met pas à courir alors que j'ai l'endurance. Ouais, on va se soigner. De toute façon, le temps qu'ils arrivent, eux, on a large le temps. On va pas les affronter. On s'en fout, on les snob. On va aller au boss. On va se faire le mob juste avant le boss, et puis voilà. Vu qu'il est tout seul avec une grosse épée. Je trouve que c'est plus simple d'affronter ceux qui n'ont pas de bouclier. T'es sûr au moins de leur porter des coups. Ok, il commence avec un coup de merde. Aïe. Alors celle-là, si je l'ai loupée, c'était un peu la mort. Wow, 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 wow! Hé! Hey! Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Putain, il me fait peur. Il me fait peur, il me fait peur, il me fait peur. J'ai peur. Et où ton frère? Allez, on va au boss, on va au boss, on s'en fout. Le boss, on prend un bouclier ou pas? Non. Non, j'ai dit non. No shield. Plus d'endurance. Elle est pas sensible au saignement non plus. Hein. C'est ouf. Par contre, il a l'air un peu naze. Hein. Tu vois trop venir ses coups par contre là, ouais. Je suis trop une merde. Par contre, là, le premier, c'est sûr, je pouvais pas l'avoir, la roulade, parce que je l'ai pas faite et parce que de toute façon, j'ai pas l'endurance pour la faire. Mais la deuxième, je l'ai faite et ça l'a pas fait. Ça me saoule un peu. Ouais, par contre, c'est un boss Golemon, mais à l'infini. Du coup, je pense qu'on va le rush, tout simplement. Je devrais pas trop galérer dessus. Là, je suis mort vraiment bêtement parce que normalement, j'aurais dû le finir, puis. J'aurais dû le finir, j'aurais dû jouer plus safe. J'aurais dû me guérir en vrai. J'aurais pas dû YOLO comme un abruti. Et bon, ça YOLO, c'est ma strat de base dans les Dark Souls. Ça risque de m'arriver très très souvent. Sauf que là, j'ai pas vraiment une classe pour YOLO. Trop l'habitude des doubles katanas. Ah d'accord, ça tombe comme ça dans le vide. Bah écoute, merci. Cher quand même. Hein. Merde.
J'ai de la chance sur ce coup-là. Ok. Waouh, j'ai de la chance encore là pour la roulade. Ok, il est bêté, on peut le finir. Ok. C'était le monde dragon, voilà, il m'a pas touché, formidable. Je crois que dans speedrun, il y a une technique où on peut le faire tomber dans le vide. Je crois que ça s'appelle la technique des trois pas, mais je m'y connais pas plus que ça, je sais pas la faire. Sinon, je l'aurais fait, ça aurait été plus drôle. Alors, normalement, il y a un feu en haut. Yeah. 14 000 âmes, ça c'est bon, ça va bien m'aider ça. Et un PNJ. Une dame qui est en train de prier, bonjour. Are you from these parts? Bonjour. My name is Lycia. Salut Lycia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. Oh, mais c'est ma maîtresse. I can see that you are well suited to comprehend their one. Ouais. Cost of it. C'est moi, c'est Alphonse Robichu, j'adore That's les miracles. To decide. D'ailleurs, mes parents m'ont dit que j'étais un miracle en moi-même. I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were the king gone. Non. The earth ravaged. The burden. I fear that by now. Why did I come here? Do I need any other reason than to my preceptor always said, and such. Sometimes I fight the urge to pack up and go. It is and being out here all I expected this cathedral to be bust without any goings on to a place I could gull them. Sorry. Bon, du coup, tu vends quoi? La cloche, ok. Un anneau augmente la foi. Oh, ça pourrait être pas mal. 28 000 âmes! Putain de fils de pute! Waouh, elle vend plein de soins, soins supérieurs. Extrait de soins majeurs, restauration, vitalité rayonnante, prière apaisante, force. Lance de foudre, oh putain de merde, ça il me le faut direct. Retour et conseil. Qu'est-ce que ça fait? Un miracle censé aider ceux qui se sont perdus, il fait apparaître d'autres messages en provenance de mondes parallèles, les mots résonnent. Ouais, ça de la merde. Retour, un miracle renvoyant le lanceur au dernier feu, ok. Projette une lance de foudre, on dit qu'elle aurait vu le jour au sein d'un clan ancien dont le chef était considéré comme le dieu du soleil. Il libère une onde de choc qui fait chanceler les adversaires. Ok. Accessible à tous les clercs, il purifie le corps éliminant toute forme de poison. Ça, c'est pas mal. Puissant que seuls les clercs de haut rang savent accomplir, il restitue lentement un grand nombre de PV. Il suit progressivement des PV. Il provient d'un extrait du tome de soins majeurs restitue un grand nombre de PV. Blablabla. Ouais, c'est surtout ça qui m'intéresse. No need for me. Mais par contre. J'ai combien? Il me faut combien, tu m'as dit? Just that. Ça coûte 6000, il me faut 22 en foi. 22 en foi, là il me faudrait 12. 6000, aïe aïe aïe. 22, je suis à 13. Je suis pas prêt de le lancer. Et le truc que j'ai, moi, c'est soin. Ok, moi j'ai ce truc là. Soin supérieur. Je pense que ça sert à rien de l'acheter pour le moment. No need for mirror. On va juste aller mettre des levels. Ça sert à rien de l'acheter pour le moment puisque de toute façon je pourrais pas l'utiliser avant un bout de temps. Alors, autant utiliser mes âmes pour monter. Monter ma foi. Je pourrais être à 18 au max.
partir de 16. Vitesse d'incantation 59. 57 et 2. Je pense que je vais augmenter à 14. Au moins je pourrais faire 2 sorts. Ensuite, bah, on va augmenter la foi. Voilà. Il me reste 2000 âmes. Si je peux aller améliorer vite fait mon arme là. Ma petite massue. Non. Renforcer. Tiens, prends-toi ça. Mais il me faut un grand fragment de titanite. T'en vends pas par hasard? Ils vendent des fragments de titanite, ils en vendent 10, mais. Mais c'est tout. Bon. Au moins maintenant je peux avoir 2 emplacements de sort. Bon bah la tour des flammes. On va continuer. On verra le poursuivant plus tard. Merde, elle est où? J'espère qu'elle a Marula parce que sinon je suis un peu dans la merde. Comment je vais faire moi si j'ai pas de maître? Il est où mon sensei? Sensei? Elle est pas là d'ailleurs. Je sais qu'il y a un PNJ normalement qui doit aller là. Ah. Oh, hello there. This room is not as it seems. There are two, and only this and this shall I pre- To cast miracles we preserve you must. No need for miracles. Si, j'ai besoin de miracles, mais pas pour le moment, je suis désolé. Un miracle dont j'aurais besoin aussi, c'est que tu fermes ta gueule. je déconne, ok. Pardonne-moi, c'est bon, j'ai compris. Bon. Allons, enfants de la patrie, continuez notre aventure dans les tours des flammes. Théatite, c'était. Alors, on n'a pas été par ici. J'ai le vertige. En vrai, je devrais farm ici. Putain, ça m'amène où là? Je sais plus du tout. Où est-ce que ça va m'amener? Eh, il y a un objet caché derrière. Amulet du monastère. C'est quoi ça, un item? Une pierre à remettre au roc du vainqueur. Ni. Ouais. Où est-ce que je vais par là? Ah oui, je me souviens. Oh cool, je l'ai trichote. Je me souviens vaguement de cette zone. Hello. Ameno Dori.
Putain, ma roulade passe jamais si je mets un coup. Ok, nice. Je vais retourner en haut. J'ai pas envie d'oublier de zapper les trucs. Dans le monde dragon, mais quel boss inutile, quoi. Le machin, il se laisse faire. Ses patterns, tu les vois à 2 km. Il a que 3 patterns, t'as l'impression. Le machin, même pas, il me touche, quoi. Première fois, je suis vraiment mort comme un golem. Hein. Effigie, pastille des ténèbres. Putain, il y a un peu trop de loot là. Est-ce qu'il y a un trap? Vieille halle de chevalier. Une âme de noble chevalier. J'aime pas quand il y a trop de butin, tu t'attends trop à un piège quoi. Du coup, on a eu quoi là? Oh, une hallebarde! D'accord. D'accord, bon bah, c'est pas pour nous. Ça a l'air craqué. Le bouclier en quartz jaune. Wow. Toc 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 toc. Oh, ça fait trop l'endroit d'un passage secret. Ou alors j'ai déjà récupéré un butin qu'il y avait, je sais plus. Je sais déjà plus si je suis déjà été là ou pas. Je suis déjà perdu. Alors là, c'est sûr, j'y suis pas allé. Holy shit. C'est moi, Alphonse Robichu, et bienvenue dans l'ascenseur qui va à 2 à l'heure. On n'est pas prêt d'arriver au fond. J'arrive jamais à faire la roulade, hein, c'est fou. Allez, 4 coups dans ta gueule. Un vieux casque de chevalier. Un vieux casque de chevalier Las Palais. Protection derrière une petite barre de fer, quoi. Il y a un piège. Nope. Ah bah, l'ensemble du stuff de chevalier. C'est sympa ça. Ça m'a l'air un peu trop calme cette zone pour le moment. Ah, une porte. Ok, rien du tout en fait. C'était juste du décor. Il y a des cavités. C'est qui a construit un tunnel là?
On arrive à cette zone. Je pensais pas du tout qu'on allait arriver là, mais c'est pas grave. Chemin dérobé de Hyde. Bonjour. Ah, c'est une femme. I don't know you, and you don't... Things are better that way. Excuse-moi, je voulais te parler, je veux vendre des joints d'étanchéité. You are an odd one. C'est pas faux, merci. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. You... Oh, mais moi j'ai pas peur, je suis mort au moins 36 fois. Look at you. Salut, Lucas. They say merde, j'ai pas eu le temps de lire. With powerful souls, and so I came to Clay. What a strange place. You are an odd one indeed. I've always... Well, you've made a point of engaging me. Eh ouais. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I merci. Come from Mira, a land of knights. My sword is always... Don't hesitate to call upon me. Whatever... You are an odd one in... Well, eh ben merci, madame. Ouais, je me suis fait une pote, trop bien. Ah, la fameuse zone du la fameuse zone pirate. Et je me fais déjà sniper par des flèches enflammées. Ou pas. Loupé. Loupé. La fameuse zone du bateau pirate. Qui est assez ouf d'ailleurs comme zone. Faut aller en haut et en bas et en haut et en bas. Il y a des monstres bizarres. Ça fait combien de temps? Nous sommes à 51 minutes. Moi, je propose qu'on rentre à Marula et on fait un dernier trail sur le poursuivant. On va à Marula, on va retourner faire un trail sur le poursuivant. Et si j'y arrive pas, tant pis, dans le prochain épisode, on continuera sur cette zone des pirates. Du coup, je pense qu'on va bourrer la foi en vrai. Pour le plus rapidement possible essayer d'avoir le sort de foudre. Qui pourrait être assez cool. Hein. J'aimerais bien lancer des petits sorts de foudre comme ça. Pla, pla, pla. Alors. Mais ici j'ai pas tout exploré, c'est sûr. Parce que normalement il n'y a pas que deux feux. Mais au moins cinq je crois même ici. Hein, les feux. Ah mais tu vendais toi des bombes. Ah elles vendent des humanités dis donc. Hello guys. Salut Michelangelo. Plaisir de t'avoir revu. Toc toc toc. Déjà j'ai la fiole en plus 1, j'ai augmenté mon arme, ça pourrait peut-être mieux se passer. Sinon bah j'ai monté. J'aurais un peu plus de PV parce que j'ai monté le level mais j'ai pas monté la vita quoi. On va voir, ça va peut-être mieux se passer. What? D'où je me suis pris le hit là? Elle aurait tellement pu me tuer. C'est ça que je reproche, c'est le temps que mon perso il fasse. Il boit, et là, ça se régène pas, ça fait pute. Alors dans Dark Souls 1, je crois que ça fait un truc comme ça, quoi. Et là, ça prend 2000 ans, et du coup, t'as le temps de mourir 8 fois, en fait, avant qu'il te... Enfin, c'est de la merde. La régénération dans ce jeu-là, ça pue vraiment la merde, quoi. Faut vraiment le faire au bon moment où t'es sûr de pas te prendre un hit. Et pourquoi je repasse par là encore, putain? Ouais, c'est un truc de fou, hein.
C'est vraiment un truc de fou. Moi perso ça me gave. C'est vraiment le jeu où... Le heal c'est assez important putain mais... Ah sérieux il a perdu ça comme PV juste parce qu'il m'a... Juste parce qu'il m'a tapé en fait. What the fuck. Mais va te faire foutre. Avec tes patterns pourris du cul. On pourrait tenter ça sur lui. Ça lui fait que dalle. Quand je commence à taper un peu fort là. Allez, soigne-toi, soigne-toi. Ah là, la barre qui ne sait pas. Non, par contre, là, j'ai totalement fail parce que. Parce que je voulais switch d'item parce que j'avais gardé les bombes. Et en switchant, j'ai mal timé ma roulade. Du coup, j'étais. Non, c'était un try de merde. J'ai vraiment fait de la merde. Par contre, du coup, ça, c'est nul. Ça, ça pue la merde, hein. On est d'accord. Et putain, mais j'en ai marre de cette échelle. Faut vraiment qu'il la vire. Je suis trop attiré par l'échelle. Je sais pas ce que j'ai avec la putain d'échelle. C'est une putain d'histoire d'amour. Sincèrement, hein. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais... Mais what the fuck, quoi. Il a dû se passer des choses pas très catholiques avec l'échelle, parce que là... Là, je suis trop attiré par elle. L'homme qui était attiré par une échelle. Et merde, putain, tu me saoules, fils de pute. Ouais, j'ai pas beaucoup de vie pour aller le faire. Il est prenable, hein, vu ce que je lui mets comme patate là, il est vraiment prenable. Hein. Juste que je fasse gaffe au pattern. Allez. Oh, alors ce pattern là, il le fait pas souvent, mais il est horrible. Il est vraiment horrible. Genre, c'est genre... Zbrush, t'es cassé mon gars. What? Excuse-moi, moi je... Voilà. Je viens en mode, voilà, assez sympathique. Voilà, je veux juste te tuer, mais le mec il me laisse pas le temps, quoi. Bon, pour une fois, je vais pas être attiré par l'échelle. Au final, j'avais dit un try et je tryhard là. Je regarde parce que je vois qu'il est prenable. J'aimerais bien le tuer. Ça me ferait des âmes. Et j'ai besoin d'âmes. Et j'ai pas envie de perdre mes âmes d'ailleurs. Sérieux. Ah mais non. Mais ouais, il est vraiment prenable. Ouais, même si je commence à avoir plus beaucoup de PV. Là, il peut que me two-shot, je pense. Mais bon. J'en ai marre de ce mob. J'en ai marre, quoi, de leur pattern tout pourri. Alors là, je sais jamais comment il me touche, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, c'était le suicide. Au final, j'ai pas tant d'âmes que ça. Je pensais que j'en avais genre 2000. En fait, que dalle. Mais ouais. Il est prenable, mais je comprends pas ce pattern. Genre, je fais une roulade avant quand il fait un coup comme ça. Et je me prends l'impression, je me prends la... Le bout de sa lame, quoi. Enfin, non, pas le bout de sa lame, mais le... La fin de sa lame. Ouais, d'accord. Alors, vraiment les champions.
On va essayer parce que là, si ça pète sur ma gueule, je meurs. Bon, par contre, je suis trop low là. Je suis vraiment trop low HP. Putain, ma barre, elle ressemble plus à rien. Salut, pousse-toi. Bon, s'il vous plaît, me tapez pas. Soyez gentil un coup. Merde, qu'est-ce que je fais? Nice. Cours, 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 cours. Run, bitch. On se met à deux mains, on entre. Et on défonce, allez. Concentration. Il est pas compliqué, c'est juste des patterns à la con. Ok, on récupère nos âmes. Connard. T'as pas le temps de te heal. Je fais une roulade pour esquiver un coup, je bois, il me renchaîne direct et le temps que le soin il remonte, qui me redonne toute ma vie, qu'il est censé me donner, bah je meurs. C'est vraiment pourri. Je crois que dans DS3 c'est pas comme ça le système non plus. Hein. Je crois que c'est vraiment que dans DS2 qu'il y a ce système de soins pourris du cul. J'ai l'impression. Dans DS1 je suis sûr que c'est pas comme ça, je viens de le faire. Et ça rend ta vie beaucoup plus rapidement. Par contre dans DS1 dès que tu veux te heal, tu t'arrêtes. Ton perso il s'arrête direct quoi. Mais ouais, c'est fou. Oh, ma barre de vie ressemble tellement à rien. C'est même pas une barre que j'ai, c'est une mi-barre là, ouais, c'est... Je vais même prendre une gemme de vie en entrant parce que là, il me faut les deux petits PV qui manquent, il me les faut en vrai. Ah d'accord, le mec, d'accord, ok, ouais. J'ai tellement dans la merde. Merde, je voulais essayer là de baliste. Faudrait que je la tente en vrai. Ouais, je fais un dernier try en essayant de... Ouais, je vais tenter la baliste. De toute façon, vu la vie que j'ai, ça sert à rien que j'essaie de le try. Alors faut que je sois au taquet, que je dodge tout, c'est possible hein, mais... Mais il y a des patterns que je saisis pas du tout. Celui où il dash sur moi, qui fait assez fréquemment, des fois... Enfin, je fais toujours la même roulade et des fois ça passe pas, je comprends pas. Ça c'est une blague ça. Ça, c'est une putain de blague. Même ma cloche, elle me rend presque full life, tellement j'ai pas de PV. What the fuck, quoi. Ouais, faut que je tente la baliste. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est la one shot, mais je crois que ça lui enlève une putain de barre de vie, quoi. Enfin, beaucoup de PV. Beaucoup trop, même. Ça enlève tellement de PV, je crois que ça en est vraiment broken. C'est sûr, s'il se prend les deux balistes, il meurt. Ouah, non mais là, voilà. Là, il me fait déjà un pattern de fils de pute. Moi, je suis mort. Ok, il s'est arrêté, on sait pas pourquoi. Viens là, viens là. Non. Ok, merci. Je crois qu'il avait vu le coup venir. Je vois bien que je passe en dessous de l'épée, mais je me prends quand même le hit. Bon, c'est pas grave. Ou alors c'est moi qui ai mal vu, mais je sais pas. Pourtant, je suis pas de mauvaise foi dans les Dark Souls. Hein.
Mais ouais, ça veut pas ce boss là, il veut pas. Fuck, pourtant il est bidon. Enfin il est bidon, non. Au début quand on commence un Dark Souls, et surtout celui-là, eh ben, je peux vous dire que j'ai bien galéré dessus, mais là je galère encore, c'est ça qui est un peu con. Ouais, le fait qu'on perde la vie, c'est un peu chiant dans ce Dark Souls aussi, à chaque fois on perd la vie. Toujours des effigies de merde. Défense des ténèbres. Élimine le poison restitué. Ah, c'est ça le truc que je cherchais tout à l'heure. Et ça, c'est quoi? Au roc du vainqueur. J'ai aucune idée de ce que c'est le roc du vainqueur. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On aura fait un boss qui était complètement bidon et puis je galère toujours sur celui-là. Dans le prochain épisode, on va essayer... Enfin, on va essayer, on va avancer la zone du quai de mes couilles. Enfin, on va la commencer du moins. On va pas la continuer, on va carrément la commencer. Et le PNJ que j'aimais bien n'est plus là. Fuck my life. Dans tous les cas, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Alphonse Robichu. Allez, on va faire une petite corée, genre... Je ne mords pas, allez viens, on est bien. Allez salut.